Bon, aujourd'hui, on va s'intéresser au cinéma dans le cinéma, c'est-à-dire aux films qui parlent de films. C'est un sujet très particulier, mais que j'aime beaucoup. Parce qu'on ne va pas se voiler la face. Le cinéma, très souvent, lorsqu'il décide de raconter une histoire, aime bien avoir un petit côté, si ce n'est introspectif, en tout cas un petit effet miroir qui permet aux spectateurs de pouvoir mettre en relief certaines choses, certaines thématiques, certains rapports, soit qu'ils entretiennent avec le personnage, soit tout simplement avec l'idée même de cinéma. Et souvent, le cinéma met en scène le cinéma, de manière plus ou moins subtile, que ce soit au travers du found footage, où là littéralement on a une mise en perspective de ce qu'est la captation d'une œuvre filmique par le biais du fait que le cadreur est également un acteur au sein du film. On a parfois des trucs un peu plus subtils, dans le genre on va mettre une petite scène de tournage ou une petite séquence qui va faire écho au fait que voilà, on va vouloir mettre en perspective le cinéma. On peut des fois faire un film entièrement sur les coulisses d'un film, mais là j'ai voulu m'intéresser sur vraiment des projets filmiques qui parlent purement et simplement de cinéma, que ce soit par le biais d'un tournage, que ce soit par le biais d'une certaine forme, que ce soit par le biais d'un contexte, que ce soit par le biais d'un hommage au cinéma. Les cinq films dont je vais vous parler ici sont avant tout des profonds films de cinéma sur le cinéma. Et personnellement, c'est un genre que j'apprécie énormément, donc je vous avoue que je suis très content de faire cette petite vidéo. Donc ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite avec le premier film. Bon alors, pour le premier film, ça n'est pas la subtilité qui va régner, parce que on n'est pas sur du tournage de cinéma classique, on est sur du tournage de cinéma plutôt hot. Parce qu'on va parler de Zach et Miri font un porno de Kevin Smith, qui, oui, est tout de même un film qui parle de cinéma, de manière assez particulière, mais reste un film qui parle de cinéma. L'histoire, pour faire extrêmement simple, c'est deux potes qui se connaissent depuis très longtemps, qui semblent avoir un crush l'un sur l'autre, mais c'est pas vraiment dit, et qui en fait sont complètement en déche de thunes, c'est-à-dire qu'ils peuvent même pas payer leur électricité ni leur chauffage, ils dorment chez eux en doudoune, et ils ont l'idée, comme ça, un soir, de se mettre à faire du porno, en croisant les doigts pour que bah, ça cartonne, parce qu'en gros, ils ont fait une réunion de lycée, je crois, une réunion d'anciens du lycée, et en gros, ils ont croisé un de leurs anciens potes qui est devenu acteur porno. Le pitch est complètement pété, mais Kevin Smith est un grand amoureux de cinéma. Il a toujours aimé mettre en perspective le cinéma et il le fait toujours, même encore aujourd'hui, même si dernièrement il le fait plus en tant que critique que réellement en tant que cinéaste. Mais c'est un mec qui a toujours aimé mettre en perspective ça. Vous pouvez regarder ses premiers films, que ce soit le premier Clerks, où il y a déjà des répliques qui font référence au cinéma. Vous pouvez regarder Dogma, Dogma qui est littéralement une relecture de la Bible, mais version cinéphile, avec plein de petits clins d'œil, petites choses comme ça qui font vraiment plaisir. Tout son cinéma est gorgé de cinéma. Et Zach et Miri font un porno, c'est sa manière de rendre hommage à une branche un petit peu sombre et un petit peu glauque parfois de la production cinématographique américaine, mais il le fait avec encore une fois un amour de cinéphile. Donc c'est jamais graveleux, c'est jamais trop, c'est jamais condescendant ou vulgaire. C'est toujours un film qui va s'orienter dans une optique de comédie loufoque et burlesque, et c'est ça personnellement que j'aime beaucoup dans Zach et Miri font un porno. C'est-à-dire que ça part d'un pitch où honnêtement on pourrait se dire, ok, ça va parler avec subtilité de comment qu'on fait les bébés dans une éprouvette, mais non, à aucun moment Kevin Smith ne va dans cette direction. Il cherche toujours à jouer sur cette optique que c'est un film qui doit parler de film. Donc les personnages, accessoirement, ne font jamais simplement des films porno, ils font des films porno de cinéphiles avec des mises en scène de cinéphiles ou des trucs comme ça. C'est un film particulier. J'ai conscience qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vont regarder ce film parce qu'ils vont se dire ah, c'est quand même un peu pété et c'est un peu loufoque. Mais je vous le conseille parce que je pense que vous allez vous taper une bonne barre devant ce film. Le film est porté par de super acteurs, que ce soit Elizabeth Banks ou l'excellent Seth Rogen qui porte le film avec une grâce totale, ou même des seconds rôles quand même assez jubilatoires et qui sont assez fandards même. Le film est amoureux de cinéma, d'une certaine branche du cinéma, mais transmet ça avec tellement d'amour et de générosité qu'on peut pas dire non. Le deuxième film dont je vais vous parler, je ne pouvais pas faire une vidéo sur des films parlant de films sans évoquer son métrage. On reste un peu dans le même univers que Zach et Miri font un porno, mais au cœur d'un film qui est une œuvre démentielle, légendaire et qui, moi, est mon film préféré, Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. C'est un film extraordinaire qui raconte l'histoire tout simplement d'un jeune homme qui est plongiste dans une petite boîte de nuit
au sein de la vallée de San Fernando et qui voit un soir un mec débarquer et il lui propose de tourner dans des films porno. Oui, j'ai conscience qu'encore une fois, on n'est pas sur du subtil ou ce que vous voulez, mais c'est un film de Paul Thomas Anderson. Donc la mise en scène est complètement explosive, le scénario est écrit avec une finesse et une justesse absolument dingue, les acteurs dont Marky Mark sont tous excellents, mais vraiment quand je dis excellent, ça va de Burt Reynolds qui est légendaire à John C. Reilly qui est cool comme c'est pas permis, tous les acteurs sont bons dans ce film, mais genre vraiment bon. Pour moi, les acteurs font 50% du boulot, le reste des 50%, c'est le talent de Paul Thomas Anderson. Et le talent de Paul Thomas Anderson dans ce film, il est exceptionnel. Et Paul Thomas Anderson, c'est toujours quelqu'un qui a aimé mettre en perspective les codes du cinéma, même si, au travers de certains films, il le met de manière plus secondaire au sein de son cadre, que ce soit par exemple vers Will Be Blood, qui lui, pour le coup, est un film majestueux, où l'idée de cinéma se ressent plus dans la puissance des cadres que réellement dans la mise en perspective que Paul Thomas Anderson peut faire. Mais par exemple, dans Punch Drunk Love, qui est littéralement une comédie romantique qui choisit d'enlever le facteur même qui en fait une comédie romantique d'habitude, c'est-à-dire, non pas l'amour, mais les dialogues, là, c'est une mise en perspective du cinéma. Et tous ces films ont toujours fait ça. Même dans Hard Eight, son premier, qui reste quand même un film un peu maladroit, il y a une mise en perspective du cinéma par le biais de la position qu'ont les différents personnages au sein du récit. Et vous prenez Magnolia, Magnolia c'est une immense mise en perspective du cinéma au travers soit du show télévisé que met en perspective le personnage de Tom Cruise, soit au travers de la manière avec laquelle les personnages évoluent dans le récit, soit juste au travers du prologue qui est littéralement un petit film au sein d'un grand film. Tout ça est d'une intelligence absolument dingue. Et je trouve qu'au sein de Boogie Nights, c'est le film où Paul Thomas Anderson a envie de rendre hommage au cinéma. Peut-être d'une manière qui est, comme Kevin Smith, un peu bizarre pour certains, mais c'est une manière que je trouve belle, que je trouve pure, que je trouve extraordinairement bien mis en scène, mis en relief et joué. Enfin voilà, je pense que vous l'avez compris, j'arrête pas de le répéter, mais Boogie Nights est un film exceptionnel, un film démentiel, un classique instantané, une œuvre culte, c'est tout, c'est tout. Le troisième film dont je vais vous parler est un film très méconnu. Peut-être parce que lorsqu'il est sorti, personne n'en a parlé. Ce qui est triste parce que le film est quand même très très beau. Mais peut-être que c'est aussi parce que le film sortait un peu de nulle part, qu'il a été réalisé par une jeune auteure qui avait envie de faire ses preuves et surtout de partager avec le spectateur son amour du cinéma. Mais en tout cas, il est indéniable que Maestro de Léa Fazer est un très beau film, qui raconte tout simplement l'histoire d'un jeune acteur qui ne rêve que d'une seule chose, tourner dans des gros blockbusters. Mais avant, il va faire d'autres trucs. Et il va notamment se retrouver sur le tournage d'un tout petit film indépendant français qui semble assez perché, mais qui va lui apprendre beaucoup de choses sur la vie. C'est un film qui rend hommage très ouvertement au cinéma de Romère, dont je ne suis pas du tout fan. Donc à partir de ce moment-là, moi je suis un peu parti dans l'optique, ok, ça se trouve je vais m'ennuyer, bon tant pis, le film dure 1h25, allez, on va se laisser porter, on va voir ce que ça va donner. Et rapidement déjà, Pio Marmaille m'a totalement convaincu, mais surtout, Michael Lonsdal, en face de lui, est magique. C'est un de ses derniers rôles au cinéma, un de ses derniers grands rôles au cinéma. L'acteur est exceptionnel. Il est vraiment fantastique du début à la fin. Moi, il m'a fait tirer une bonne petite larme lorsque j'y arrivais à la fin du long métrage. Le film est une très belle mise en perspective du cinéma et surtout, et c'est un point que je trouve très fort, arrive à rendre hommage à un cinéma auquel il semble compliqué quand même de rendre hommage. Parce que la nouvelle vague, mine de rien, on a beau dire ce qu'on veut, la plupart du temps, c'est souvent considéré comme une certaine élite du cinéma et seuls les cinéphiles arrivent réellement à comprendre ce que les auteurs de la Nouvelle Vague arrivaient à mettre en perspective au travers de leurs films. Ce qui peut se comprendre, mais après, la Nouvelle Vague a des films qui restent tout de même très ouverts au grand public, que ce soit les 400 coups ou même dans une certaine perspective Le Mépris ou À bout de souffle, ça reste des films quand même assez ouverts au grand public. Mais voilà, souvent c'est considéré comme ça. Et je trouve que ce film arrive plutôt bien à réconcilier avec la Nouvelle Vague en abordant des thématiques, des rapports aux personnages, des traitements, soit du réalisateur, soit de l'équipe technique, qui sont toujours très fins. Et c'est cette intelligence que j'aime beaucoup dans le film de Léa Fazer, c'est qu'elle arrive à mettre ça en perspective et à surtout très bien retranscrire à quel point un tournage a une ambiance particulière. Chose que, au sein du cinéma, c'est pas toujours évident de faire ressentir. Lorsqu'on arrive à la fin d'un tournage, il y a une émotion qui se dégage. Et ceux qui ont déjà fait un tournage le savent pertinemment. Mais faire ressentir ça au cinéma, c'est très compliqué parce que au sein du cinéma, on regarde des gens faire, on n'est pas en train de faire, donc on ne vit pas la même émotion. Et pourtant, je trouve que Léa Fazer a très bien réussi à jouer avec cette émotion-là et à la retranscrire à l'écran. Et c'est pour ça que Maestro,
Je suis triste que ça soit un film qui soit tombé complètement en désuétude et qu'on ait tendance à complètement oublier. Alors que mine de rien, il y a quand même Pio Marmaille et Michael Lonsdale en tête d'affiche. De très très bons acteurs, de générations très opposées, mais qui portent à merveille le long métrage de Léa Fazer. Donc si vous avez l'occasion de le découvrir, foncez. Pour le coup, c'est une très belle immersion à la fois dans ce que peut être le cinéma au travers du cinéma. Et surtout, c'est un film qui peut vous réconcilier avec une certaine branche du cinéma français qui a souvent tendance à être considérée comme d'élite. Le quatrième film dont je vais vous parler, alors pour le coup, c'est pas vraiment un film dans le film, c'est un film sur un film. Mais quand je dis un film sur un film, c'est pas un film qui parle d'un film, c'est un film et on a refait un film par-dessus. Alors je sais, l'idée est perchée, mais honnêtement, j'avais envie de caler ce film quelque part et je vois pas vraiment où je peux le caler autrement parce que je peux clairement pas le caler dans une autre vidéo. C'est Lily et la Tigresse de Woody Allen, un très vieux film qu'il a fait à une époque où il a repris les rushs d'un autre film, petite production chinoise un peu paumée, et en fait il a fait sauter la bande sonore et il a refait un film par-dessus qui raconte l'histoire d'un agent secret qui va essayer de mettre la main sur la recette des œufs mayonnaise. Oui, je sais, c'est complètement fumé. Alors, si je vous recommande ce film, c'est uniquement parce que je pense profondément que dans une soirée bien arrosée avec des potes, si vous matez ça, vous vous tapez une barre, mais alors une barre monumentale. Et quand je dis monumentale, vous allez vous fendre la poire. Le film est à mourir de rire, le film est un précurseur du détournement. Mais vraiment, quand je dis un précurseur, c'est qu'il a été tourné il y a très longtemps. Je crois que le film date des années 60, que Woody Allen, il a fait ça juste pour se taper une bonne barre, qu'il a refait sauter la bande-son et qu'il s'est dit « Allez, vas-y, on prend des doubleurs et on refait le film. » Ce qui est une idée complètement fumée. Et à l'époque, c'était plutôt précurseur parce qu'il y avait très peu de gens qui faisaient ça à l'époque. Et je pense que vous enlevez Lily et la Tigresse, vous n'avez pas dès la classe américaine et vous n'avez pas aujourd'hui un paquet de mecs qui s'éclatent comme Mosinor à refaire les doublages de certains films en parodiant absolument tout ce qu'il y a dedans. Vous auriez pas ça sans Lily et la Tigresse. Donc, il n'est pas forcément dans l'optique film dans le film, il est plus optique film sur un film, mais j'avais envie de le conseiller parce que honnêtement, ça reste quand même une œuvre assez culte, c'est assez fandard, on se tape une bonne barre devant, et moi personnellement, c'est un long métrage que j'adore, qui me fait kiffer à chaque fois que je le regarde, et je pense que vous pourriez vraiment adorer ce film. Et alors le dernier film, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans l'évoquer, parce que pour moi, c'est le film qui parle de cinéma au sein du cinéma. C'est le film qui arrive à rendre hommage au Homemade. C'est un film qui donne envie de prendre une caméra et de s'éclater avec. C'est Soyez sympa, rembobiné de Michel Gondry. Qui a une histoire assez fumée, quand même. Deux potes, un à un vidéoclub, l'autre est un espèce d'inventeur un peu fumé. Et un jour, l'inventeur un peu fumé va débarquer dans le vidéoclub après avoir un peu fait n'importe quoi avec des ondes magnétiques. Et en fait, il va faire sauter toutes les bandes magnétiques des VHS. Et il n'y a plus le moindre film dessus. Et à partir de là, se lance une aventure complètement folle que je vous laisserai découvrir au sein d'un film qui rend magnifiquement hommage au suédé. Donc c'est un genre à part entière que peu de cinéphiles et de cinéastes osent faire aujourd'hui parce que c'est particulier, mais c'est refaire un film avec les moyens du bord. Il y a des très bonnes chaînes YouTube qui le font. Il y a notamment des mecs qui s'amusent à refaire pour 20$ le trailer de la Justice League ou plein d'autres trucs dans le genre là. Allez voir ces chaînes là, c'est une tuerie. C'est cette génération là. Cette génération du Homemade que Michel Gondry aime profondément. Michel Gondry, c'est un cinéaste qui adore essayer de trouver des effets pratiques plutôt que des effets spéciaux pour construire des trucs qui, à l'écran, vont rendre hommage de manière plus ou moins loufoque ou plus ou moins cohérente au cinéma. Et ici, c'est exactement ce qui se passe au travers d'une œuvre, mais qui est juste démentielle. Vraiment, pour le coup, Soyez sympa, rembobiné, c'est un des films les plus fun que j'ai eu l'occasion de regarder. Dommage que le Blu-ray édité par Europarcorp soit défectueux, parce que j'aimerais beaucoup revoir ce film, mais je ne peux pas, parce que le Blu-ray, il ne marche pas. Merci Europacorp. Mais passé ça, le film est une tuerie, le film est vraiment extraordinaire, c'est une œuvre moi, que j'adore regarder. C'est Jack Black et Mos Def sont tous les deux à mourir de rire dans les rôles principaux. Ils sont hilarants et ils apportent beaucoup au long métrage. Et moi, personnellement, c'est un film qui me fait retomber en enfance, parce que j'ai cette sensation que c'est simple. C'est un film extrêmement simple dans son pitch, dans son contexte, dans son contenu, dans ses acteurs, etc. Même par la présence de Danny Glover, de Sigourney Weaver à l'écran, c'est un film simple. Il y a même Mia Farrow qui se pointe dans le film. C'est pas magique ça. Mais le film dégage une ambiance, un truc tellement particulier. Moi j'adore ce film. Vraiment c'est un plaisir, ça fond dans la bouche quand on le regarde tellement on passe un bon moment devant. C'est un film qui nous fait passer par plein d'émotions. On est souvent en train de rigoler. Mais quand le film doit être dramatique, il est dramatique.
C'est une pépite. Vraiment à voir si vous ne l'avez jamais vu. Bon, et bien voilà. On aura fait le tour quand même de pas mal de films qui parlent de cinéma dans le cinéma. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous en voyez d'autres qui vous plaisent ou qui vous donnent envie. Parce que c'est des films aussi des fois qu'on n'a pas encore vus, qui vont potentiellement sortir. Et on se dit, ah, le pitch a l'air d'être sympa et puis ça rend hommage au cinéma. Donc n'hésitez pas. Après, je sais qu'il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Mais après, j'ai vraiment voulu prendre des films dont c'est le sujet central, pas la forme. Parce que sinon... il y a plein de fan footage où on pourrait mettre en perspective ça. Mais ce n'était pas ce qui m'intéressait. J'avais vraiment envie de mettre en perspective des films qui parlent de films. Mais vraiment des films avec un procédé filmique un peu plus classique, entre guillemets, que le fan footage. Donc, je pense que vous avez cité pas mal de fan footage. Ça sera honorable. Genre, c'est arrivé près de chez vous, des trucs comme ça. Mais là, j'avais plus envie de vous parler de films un petit peu plus classiques dans leur forme. Et bien, d'ici là, je vais vous dire de continuer à regarder des films, parce que c'est bien de regarder des films. Et on se retrouvera ici pour parler et pour causer et pour faire plein d'autres choses autour du cinéma, bien évidemment. À plus. Ça me donnerait presque envie de refaire des films un peu suédés comme je faisais quand j'étais gamin, hein, de reparler de Soyez sympa Robin. C'est quand même une belle époque, hein. Plus compliqué de faire ça aujourd'hui, mais bon, c'est toujours faisable.